Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Naola depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous va développer deux points pour une information. Mais avant de faire ça, équipe Bombard Media Naola, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media Naola pour information pays. Et yon gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police, équipe Bombard Media Naola, nous apprécier ça. Et si c'est premier fois visiter nous, information nous partageons intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Avant nous démarrer avec information, nous voulons remercier tout le monde qui toujours supporte channel là. Nous apprécions et puis nous aimons recevoir commentaires. Et bien nous pas perdre du temps, n'a dérouler avec information yo en ouais. Porte-parole PNH a présenté bilan opération plusieurs unités dans la police la mené dans pays a sorti 22 avril pour arriver 14 mai 2020. Et nous voulons faire connaître tout, Yannick Joseph qui c'est un représentant syndicat police nationale d'Haïti a mandé libération Jean-Alexandre Pascal qui en bas met la police. Information ça nous porter pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier à 11 mai 2020. Le monsieur ou bien monsieur dame qui réclamait yo de groupe fantôme 509 qui fait un rassemblement désordonné côté yoté allé dans zone inspection générale là yoté allé investi local inspection générale là devant difficulté yo gain pour yoté contourner dispositif de sécurité qui était metté en place là gain un groupe dans yo qui était avoué roche sous unité SWAT qui était là et constato population an, qui est capable d'entendre des armes lourdes qui t'a tiré dans mi temps yo. Les unités SWAT la tenté pour le rétablir l'ordre, li rivé mette main arrêté 7 moun que nous sommes présentés là yo. Wesley Louis, la jeunesse Gilberto, Jean-Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duplessis, Lubin Bernard. Mais yon nan bay ki doit attirer attention nou, monsieur nou ak te gen maillot rouge qui campé là, c'est un policier de la 14e promotion, monsieur relé Yvon Pierre Yvon. Monsieur ça a été révoqué dans la police là déjà pour abandon et ensuite la justice t'a pral condamné pour homicide. Monsieur rentré pénitencier national le 26 mai 2004 et le 19 février 2005 monsieur Tapral évadé. Donc c'est un évadé de prison. Pas oublier nous te dit nous fantôme 509 là, li gen policier des vrais policiers là-dedans, li gen des policiers qui révoqué là-dedans, li gen des policiers qui en instance de révocation. Et là nous gen cas ayon évadé de prison. Et mon capable rappeler numéro que monsieur te gagné l'était dans la prison, c'était PNH 04 05 163. C'était le numéro ça, monsieur te gagné l'était écroué pénitencier national avant qu'il t'ait évadé en date du 19 février 2005. Maintenant, section départementale police judiciaire l'Ouest a travaillé sur le dossier, a préparé le dossier et dans un délai raisonnable ou bien un délai que la loi recommande, il y a acheminé yo pas devant autorité de justice yo même qui appelé pour dire le droit. Non sans ça, directeur général de la police là, monsieur Normil Rameau, il pas toléré aucun désordre et sous quelque nature qu'il t'a caillé, sous quelque soit forme qu'il t'a caillé. Et non sans ça, il instruit tout directeur central, tout directeur départemental, les commissariats et les sous-commissariats de police, toute structure police la net, pour yo travailler sans relâche, pour yo appliquer la loi avec règlement que pays a mis à la disposition, yo, pour yo capable contourner le désordre et pour yo capable contourner le grand banditisme, à savoir arrêter moun ka fè désordre, yo, traîner yo par devant autorité de justice. Yo. À telle enseigne, nous regagnons l'autre monde encore que la police a commencé à identifier parmi les gens qui prennent part dans
Fantôme 509 là. Et depuis semaine dernière, nous avons été mettre un avis de recherche que en pile monde dans la presse là gagné. Donc c'est Jules James Josué qui c'est un ancien policier et qui révoqué dans la police là. D'accord? Pour vol à main armée, assassinat, incendie criminel, d'accord, complot contre la sûreté intérieure de l'État. Et monsieur, c'est un membre actif dans monsieur ou bien monsieur dame qui baille tête au nom Fantôme 509. Et nous demander opinion publique là et tous les amis journalistes qui là, quel que soit côté, nous t'a ouais monsieur ça. Alertez la police dans 38 38 11 11 31 06 05 73. Voilà. En date du 11 mai, j'en ai dit tout à l'heure, tout dans l'après-midi, donc suite à des ordres qui étaient gagnés à proximité et direction circulation, nous dit patrouille Udmo était arrivé, il était procédé à arrestation. Trois messieurs nous sont présentés là, qui c'est Pierre-Alexandre Dieu-Verson, Fénélon Mackenzie et Steven Leblanc. Pas oublier, monsieur Sao, dans un premier temps, il a travaillé dans un gang qui est basé à Chancerel et chef gang Sao le Mackenzie avant que il te vienne passer dans le rang chef gang qui est le Mikanor qui est dans Wak Jérémy. Donc, que la police ait un pile d'informations sur lui et que la travail pour permettre que vous arriviez à procéder à l'arrestation. La police dans Tabatou est arrivée à arrêter Florent, alors Saint-Florent Richard, Blanc Wenley, Piton Fritzner, Alain Drouillard. Il est arrivé à arrêter M. Sayo pour vol à main armée, braquage et détention illégale d'armes à feu. Nous, vol à main armée. Détention illégale d'armes à feu, c'est parmi les infractions les plus récurrentes que la police procédait et arrestation des mondes, ouais, des jeunes, pour la grande majorité des jeunes hommes, des jeunes éléments, d'accord, qui au lieu de prendre chemin pour soit pour y aller à l'école ou bien pour y bailler tête, ils ont issu, ils ont capable de gagner vie honorablement, mais malheureusement, ils ont passé à banditisme, ils ont passé à désordre. Il a troublé l'ordre public là, empêché du même coup les citoyens paisibles arriver vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Donc dans ce sens ça, la police obligé les mêmes travail pour le capable rétablir l'ordre. Interpellation. Interpellation aussi à la Croix des Bouquets, plus précisément à Terre Rouge, le 22 avril 2020, pour détention illégale d'armes à feu, les nommés Lubin Walki et le grand Ricardo. Dans même monsieur Sayo, ils ont joué un fusil 12 de Mac Trista et 3 cartouches de calibre 12 et 3 cartouches de 9 mm. Et le 25 avril, sur la route de l'aéroport, les policiers du commissariat de Delma ont interpellé pour détention illégale d'armes à feu les nommés Joseph Patrick, né le 17 décembre 1996 à Mirbalais, et Pierre Peterson, né le 23 août 1998 à Cité Soleil. Nous prenons le soin pour nous bailler date de naissance, parce que fort souvent, nous parlons de gens que la police a arrêté, ou qu'on voit des gens qui ont un nom, même nom, avec un paisible citoyen, et les gens dans le quartier paisible citoyen, ça qu'on a pris, qui a dit, à pas entendre de nom, à pas entendre de démêler avec la police. Donc, dans certains cas, nous avons des informations disponibles. Nous prenons le soin pour nous bailler maximum d'informations que possible sur bandits, sans façon que si on honnête citoyen qui gagne même nom avec elle, pour pas gagner confusion. C'est en tout. Alors, nous pas oublier parler de cas nous se parler là. Voilà, et Oscar Thoman, pas vrai que la justice n'a en savo le paquet plus précisément mette un mandat de recherche derrière lui et la police dans l'ouest procéder à arrestation ni et comme j'aime te dire non comme accusation c'est détention illégale d'armes à feu, vol à main armée et homicide. Donc nous venons une information que monsieur c'est chauffeur Anel Joseph que la police a arrêté depuis un bon bout de temps et dossier ça l'iname la justice a traité. Voilà, c'est en tout sorti 22 avril
à date, la police dans le département l'Ouest fait 17 interpellations, 4 armes à feu saisies, 3 véhicules confisqués, 25 munitions et 3 chargeurs. Mais pas oublier, c'est un bilan partiel, Jamzoulan, parce que à cause des lenteurs, il y a des données qui sont supposées arriver, joindre nous là, qui ne sont pas arrivées. Non, on l'autre l'heure, moi-même, je suis capable de compléter bilan, ou bien l'inspecteur Gary Desrosiers est capable de compléter bilan. Nous finissons, si on compte ça avec la presse, pour nous dire, toute policier, toute policière, de tout grade, de toute promotion, de toutes unités confondues, la police le dit l'ordre. La police pas le dit désordre, la police le dit l'ordre. Et dès que ou prend uniforme la police là, ou mettez sous vous, ou doit mettre avec une fierté telle, son façon que l'on rencontre yon moun dans la rue pour inspirer moun sa confiance et pour institution capable rite avec crédibilité. Dans ce sens, la police pas prêter bras croisés devant moun kap fait désordre, que ce soit ces bandits sciemment qui décide de faire des ordres, que ce soit des mouns qui malheureusement qui disent policiers, qui ont uniforme la police là sous yo, et puis ils ont amusé yo, ou ils ont fait des bagailles qui pas grand rien pour eux dans aucun pays avec sa population attend de yon policier, de yon grain policier ou de yon groupe de policiers. Nous c'est Yannick Joseph. Nous ensemble avec Cécile Rosel qui s'est délégué nous. Nous ensemble avec Adema qui c'est Célestin et Adema qui c'est directeur logistique nous. Et Adelson Bonnet qui s'est porte-parole nous. Ensemble avec avocat nous qui s'est défaillé. Je dis, je n'ai pas constaté, moi devant des CPJ, moi c'est coordonnatrice générale SPNH, moi accompagnée de porte-parole nous, délégué nous, directeur logistique nous, avec avocat nous. Donc, je dis, nous sommes venus policiers, nous sommes venus balayer une visite. Mais là, nous arrivons, nous voyons que Gadavi est sale, il est senti, il n'est pas rempli de conditions, surtout pour les gens qui souffrent, qui respirent, vivent. Je ne dis pas, là, nous arrivons, nous disons que faut que nous voyons ensemble avec les responsables pour nous capables de mettre les policiers dans une autre salle, pour nous capables de tendre. Parce que les conditions hygiéniques ne sont pas respectées. Moun pile sous pile pendant. Alors, yon pas mette policier dans garde à vie pour policier. Yon mette policier à même côté ensemble avec tout l'autre détenu. Et garde à vie en très très senti. Condition qui vraiment déplorable. Et là que nous allons ouais ensemble avec le chef cabinet, nous vivons dans le secrétariat chef cabinet. Yon dit nous pas que nous ne pouvons pas ouais chef cabinet. Et que même côté, nous disons bien ok, pas de problème. Comment chef cabinet a relé? Yon dit nous ne pouvons pas capable de nous. Là, nous interrogeons les policiers qui va parler ensemble avec nous, maman Deli, est-ce que nous sommes capables de gagner? Nous disons non, pas nécessaire, nous ne pouvons pas gagner. Et ce n'est pas le pas gagner. Nous disons bien ok, pas de problème. Donc, n'a pas averti la presse, n'a pas averti le monde entier qui a regardé nous. L'opinion publique, là. Aujourd'hui, nous-mêmes dans le syndicat, nous rendons nos comptes. Il y a plus de monde qui a joué, il y a plus de monde dans l'État qui a fils, qui a joué, tout petit fils ensemble avec nous. Nous ne pouvons pas prendre ça dans nous. Nous ne pouvons pas prendre ça dans nous. Le syndicat existe, c'est eux-mêmes qui vont nous papier légal, c'est l'État qui va nous papier légal pour nous fonctionner. Il y a plus en bas la loi pour nous fonctionner ensemble avec nous. Même si nous-mêmes nous mettons nous disponibles avec toute discipline pour nous couper nous en bas la loi, pour nous fonctionner ensemble avec eux, il ne faut pas continuer à violer les droits policiers. Parce que les policiers, c'est le monde même ensemble avec tout le monde. Si on entre dans la logique, il y a lâché sous policier. Il y a l'aspiné policier, il y a l'aspiné rêve policier. En bien, je ne veux pas dire, nous mettons faire devant toute population pour nous connaître que ça. Et policiers eux-mêmes, ils ont subi un vandalisme. Parce que là, on comprend, nous entrer dans le CPJ, pour les policiers campés, pour le commandement campé, pour la plongée droite dans la figure policier. La plongée droite dans la figure, s'arrêter, marcher en bas, bouche, pendant ce temps, nous connaissons que pour d'ailleurs, tout le monde connaît qui dit sache que le monde doit parler ensemble avec le monde. Je ne veux pas nous pas accepter ce genre de bagaille. Je ne veux pas nous dire non, c'est assez. Nous prenons pour nous travailler ensemble avec l'État. Pendant que nous demandons aux policiers, restez disciplinés.
nous aurait été discipliné parce que c'est vous seul nous même policiers. La bien je dis n'a pas demandé pour l'état pays nous respecter policiers, respecter droit monde en général. C'est pas comme ça un pays fonctionner. Nous lâcher sous rêve aux jeunesse comme ça. N'est pas bon, nous pas prendre ça dans l'état. Est-ce que nous retrouvons dans le mouvement et fantôme 509 et qui réactionne par rapport à la déclaration du plan de l'île qui dit que c'est un groupe terroriste. Je n'ai pas choisi de répondre au Premier ministre par rapport à la déclaration qu'elle a faite. Ministre de Justice. Parce que moi-même, moi j'ai preuve que le ministre de Justice a son monde qui toujours prend plaisir pour la violer les droits monde. Parce que moi-même, comme policier, il était violé les droits monde déjà, je n'ai pas foutu. Je ne dis pas, pendant que je travaille, il était violé les droits. Donc, question 609 fantôme, je m'a toujours dit ça, je suis clair ensemble avec vous. Policiers, selon psychologues, selon sociologues, morale policière à 1. Toutes conditions réunies pour morale policière à 1. Donc, la morale policière à 1 n'est pas supposée par elle de tout éventuel. Si que vous comprenez dans notre livre 609 fantômes, c'est pour ne pas chercher qu'on est. Est-ce que c'est policier vraiment? Si c'est policier, on n'a pas eu raison, on n'a pas eu grâce et brisé. On va regarder qui ça qui cause, qui a la base, qui met les policiers dans la rue pour grâce et brisé. Premier ministre, le ministre de Justice s'en est traité nous des terroristes. Pendant ce temps qu'il dit, syndicat a taille chita ensemble avec lui pour parler avec lui. Moi-même, il parlait de Mandel. Excusez-moi, ma fini. Donc, on y a, si, en tant que ministre de Justice, vous dites que vous êtes chita ensemble avec nous, et puis vous dites qu'on s'accueille, et vous connaissez 7 février, c'est syndicat qui est dans la rue. Vous connaissez 17 février, c'est syndicat qui est dans la rue. Pour que ça, vous traitez nous des terroristes. Est-ce qu'on a des preuves pour sortir? Ou du moins, ça veut dire que l'État n'a pas qu'à vivre sans pas violer les droits policiers toujours. Sans qu'elle va violer les droits citoyens dans le pays. Donc nous-mêmes, dans le syndicat, nous n'avons pas en affaire avec la question des 609 fantômes. Nous défendons les policiers. Nous ne reconnaissons pas ce qui est les 609 fantômes. Nous reconnaissons bien des policiers. Donc, groupe monde qui est les 609 fantômes, nous ne reconnaissons pas que c'est les policiers qui ont été. C'est la justice avec la police qui pourrait faire des cotations pour la chercher pour nous. Est-ce que ces policiers vraiment qui n'ont la rien comme 609 fantômes? Parce que côté que vous avez ensemble avec Kagoun, est-ce qu'on m'a dit qui expérience que moi j'ai pour me décanter, pour me louer aux policiers au monde qui gagne au Kagoun, qui n'a pas aucun visage idiot du tout, ou m'a dit pour m'identifier comme policier? Si m'a dit, je ne veux dire, est-ce que ces policiers qui ont la rien, je ne veux pas qu'on est, je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non, parce que je ne veux pas visage. Vous avez des preuves pour ça. Donc, syndicat, ne pas mettre 609 fantômes dans la rue pour défendre la cause. Donc, on y est parce que l'homme petit qui a pas menti, ce n'est pas seulement pour garder menti si mon abo là comme parent, c'est pour regarder qui base qui fait le bon menti. Ce qui fait chita qui fait le bon menti. A bien, je ne veux dire, nous-mêmes, dans le syndicat, nous décomptons nous avec cette banditisme, cette vandalisme qui a fait dans la rue. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas pour les populations parce que c'est la population que nous sortons, c'est la donne la tournée. Parce que l'État lui-même est des pays de rechange. Policiers qui sont agents, ils n'ont pas des pays de rechange. Ils n'ont pas des pays de rechange. C'est en Haïti qu'ils vivent, c'est là qu'ils servent, c'est pays qu'ils servent et c'est là qu'ils prêtent. Juste pour une côté en visite solidarité à tout à fait, tout à fait. Et ensuite, nous demandons pour que vous retirez tout policier et Pascal, Jean-Alexandre Pascal. Donc, oui, nous demandons tout policier qui nous garde à vue ça, nous demandons au PC et à NDDH pour nous faire une visite. Notre DCPJ assure la responsabilité. Parce que policiers, avec tout notre monde qui nous garde à vue, ils vivent dans conditions côté que même peuple pas doit vivre. Parce que moi, en tant que monde, moi je viens devant la vie. Autant de la vie tellement senti, il n'y a pas qu'à respirer, il n'y a pas qu'à caper. Donc je suis obligé de retourner. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est vrai que le monde commet une infraction. C'est vrai que le monde fait un crime. Il est pour loin avec la loi. Nous n'avons pas le droit de passer l'État pour l'État passer. Pour la
puni les policiers, il puni la population pendant que l'idée est barreau. Il est puni, la loi pénale paye peine, paye provision légale pour punir les citoyens, en bien supposé faire ça, sans la loi mandé. Donc, il n'est pas supposé qu'il y ait des policiers, ni l'autre monde qui n'a pas d'avis, mais il est en train là. Il pas bon. Vous considérez ça comme un moyen pour permettre que nous-mêmes nous regardions sur les revendications? Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de travail avec le syndicat. Donc, je passe le porte-parole là pour dire que bon. Merci. Normalement, nous considérons AXA posé sur les policiers et Alexandre Jean-Pascal là, c'est un moyen de retarder le travail SPNH. Je dis là, Pascal Guélois comme policier, l'appel prend garde à Jean-Bul, vous pouvez faire promotion, ça a 6 ans ou 7 ans, donc je garde tous 7 ans. Donc je dis là, il mérite un traitement qui est mieux. Moi-même lundi, nous avons présenté comme porte-parole SPNH, et quand nous avons fait le déplacement, la condition que nous avons Pascal là, est inhumaine. Donc je tiens à poser une question, moi-même qui va gagner 11 ans, est-ce que c'est pour ça l'État ici va le traiter? Est-ce que c'est pour ça l'inspecteur LD qui va gagner 25 ans? C'est le cas qu'on mettra un cas, est-ce que c'est pour ça qu'on va le traiter? Eh bien je tiens là, donc, on dit avocat, population haïtienne, là, on dit l'opinion publique, là, ou encore l'international, nous témoins des habits et affaires policiers. C'est comme si monsieur Finbani au syndicat, il dit, yo barré, il a cherché, yo marré nous avec. Comment? Je dis à la yo connaît. Là, il va marcher Pascal, si maintenant si le ministre de la Affaires sociales n'a pas Pascal, c'est le dernier policier qui dans la liste et dans la liste membre fondateur SPNH. Je dis à Pascal, et pas dans le comité central, là, mais il fait partie membre fondateur et SPNH. C'est lui même j'ai même je dis qui porte parole. Donc je dis c'est pour ça, monsieur t'a choisi, je devrais côté mettre mes sous moi, pour affaibli SPNH. Je dis non, ça va passer. Policiers, restez mobilisés, restez motivés, donnez mot d'ordre SPNH là. Donc, avocat avec nous, nous avons fait ça selon les normes. Déjà depuis vendredi et 6h du soir, vous arrêté Pascal, sans mandat, sans provision légale. Et bien je dis à mercredi, jusqu'à maintenant nous accompagnons. Moi-même personnellement, le diable devine là, il est 11h dans midi, moi j'ai demandé chef de poste à l'OL. Donc de qui ça reproche, il dit nous, il n'y a pas de avec un yé dans mes cours. Jusqu'à ce qu'il a parlé là. Nous comprenons de qui ça reproche, monsieur. Or depuis vendredi, je suis regardé à lui, donc un yé, donc il va jamais dire jusqu'à maintenant. Et c'est les policiers bon négation de garde à jean de porte-parole SPNH. Voilà, un dernier mot, ma préoccupe toi. Nous avons constaté, nous-mêmes syndicats, nous constatons, en bas inspection générale, il y a un garde à vue pour policiers qui commettent des infractions. Oui, nous disons oui, les policiers sont nos citoyens, pas pour tout autre citoyen. Il y a un droit pour la loi relève. Il y a un droit pour le propre prison, pour le fini, même avec tous les citoyens depuis que nous avons fait la loi. Nous constatons en bas inspection générale, côté tout bâtiment inspection générale là, bien belle avec céramique, pendant ce temps, côté policier, on a isolement, pas de bureau, pas de céramique à terre. Pas de céramique à terre, ça veut dire qui ça? L'État a toujours besoin pour la violer de nous. OPC, je pour vous. La NDDH, je pour vous. Instance droit de l'homme international qui concerne vous, je pour nous. Parce que nous-mêmes policiers, nous sommes nous. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.